Au début, c'est du servi à la tour. D'accord. What? Émeute Android, des machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit. La course à l'espace de l'Orient, les androïdes russes et chinois s'affrontent. Tellement réaliste. Après, russes et chinois, pas vraiment. On va faire du piano. Let's go, le truc qu'on n'a pas pu faire à l'époque. Let's go! Voilà, voilà. Par contre, si c'est vraiment des QTE genre jouer au piano. Ah, faut que j'appuie! Voici une fin. Ah. Ah. Ah bah non, mais il y avait un truc derrière là. Ah, du coup, ça faisait comme dans la bibliothèque, c'était l'un ou l'autre. J'ai bien fait d'aller en premier lieu. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin d'être un peu seul. J'aime cet endroit. J'y viens. Un piano fou là-haut. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je vivais dans une bulle, dans un monde qui n'appartenait qu'à moi. Quand on est heureux, c'est difficile de voir le malheur des autres. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. La cousine. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Pourquoi tu détestes autant les humains? Tu dois bien avoir une raison. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. J'étais rien. Déverrouillage juste du chemin. Une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Ah bah. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout.
J'aurais pas dû te le dire. Se connecter. Ils vont le faire comme dans Avatar. Ils vont faire l'amour en étant connectés. Let's go. Elle est amoureuse maintenant. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club, la mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. North. Il a pu. On prend rien et tout. Il a pu son réacteur dans le torse là. Il arrive à survivre. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Convertir plus d'androïdes. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Quoi, celui-là on peut pas? Ah, l'un des rares que je prends. On peut pas rentrer dans la boutique? On pourrait expliquer pourquoi Simon est là? Ouais. C'est dommage. Le mec il arrive, non. Mais il se fout de ma gueule maintenant, il est convertible. Tu es libre. Tu es libre. Pourquoi? Pour que tu puisses passer la soirée à looker mon androïde? Réfléchis, les androïdes sont partout et ils entendent. Viens avec nous. C'est un mec chelou, c'est un androïde, ça? Non, c'est un mec chelou. Et là, il est libre ou il fut collé? Tu te fais des idées. Ah oui. Alors t'as des... Trois androïdes dans les rangs, mais il n'y en a pas d'autres. On peut pas rentrer dans la boutique. On va aller dehors. Tu es éveillé maintenant. Bienvenue dans le club. Tu es libre. Mais ce qu'on fait là, c'est quand même du racket finalement, parce qu'il y a les propriétaires qui sont avec leurs robots et d'un seul coup, on les transforme genre en mode... C'est du racket. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Trouver un moyen d'arrêter la circulation. Par contre, faites genre comme si vous faisiez quelque chose parce que là, ça paraît suspect, genre les mecs qui attendent.
tu es libre. Je viens d'expliquer à votre collègue. Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Ah d'accord, pas de problème. Tu es libre. Je dois parer cette rue. Mec, il a fait un drift avec le camion, quoi. Trop fort. Il n'y a pas d'autres androïdes par là? Ok, à faire. Tiens, là. On peut pas. C'est cru d'en face à Flos. Avec un camion comme ça, là? Putain, faut le faire, le drift, hein. Camion. De l'autre côté. On retire d'autres androïdes. Mais c'est Kara, je la reconnais. Tu es libre maintenant. Voyez, ça la révolutionne. Merde. Ah, le mec il pointe du doigt et ça marche. Trop fort. Dans les vitrines, mais ils vont péter les vitrines. Yeah! Je prends pour mon équipe. On monte une équipe de basket. C'est ça. L'équipe d'Overwatch 1 versus l'équipe d'Overwatch 2. Toi, je te veux. Toi, je te veux. On a besoin d'un mode PVE. Toi, je te veux. Greg ! Greg ! Attends, là, il y en a deux. Qu'est-ce que vous faites là ? Hé ! Dispersez-vous ! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Cavalerie. C'est fini.
Révolution est terminée. Ah, il y a Riot. Il s'arrive avec Valorant, le mec. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. On dirait Mais Macron. Nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Macron, il est gilet jaune. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Alors on va en perdre sur la route, hein. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous! C'est votre dernière chance! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. Mais j'ai du change, j'en ai recruté 200, c'est bon. Salaud! Gilets jaunes versus les policiers! John s'est sacrifié pour sauver Marcus. Et j'ai bien fait de le recruter, hein. Toujours se faire des copains. Réunis à Jericho, 37%. Ah oui, parce que du coup, je l'ai sauvé. Ouais, du coup, ça a découlé, ça. C'est bon, ça. Au centre commercial. Pas grand-chose. Restez calme avec le propriétaire, 41%. Convertir les androïdes parqués, 46%. Convertir l'AX, 400, 64%. Ignorer, 51%. Atteindre la place. Tenir bon. Charger, 12%. 22% partir. 22% s'enfuir, 18% charger. Il y en a qui sont suicidés. Énorme. La police continue de tirer. John rallié dans l'entrepôt. John se sacrifie. John se sacrifie. John se sacrifie. Donc ça veut dire que ça serait là. Je pense que là, Marcus mourrait sur celle-là. Je pense. Si on n'avait pas recruté John.